Alors voilà, vous cherchez des écouteurs, mais vous n'avez pas envie forcément de vous ruiner sur des fonctionnalités que vous utiliserez quasi jamais. Alors Sennheiser a pensé à vous en faisant le strict minimum avec une bonne qualité son pour pouvoir justement garder un prix contenu, mais avec une qualité décente. Vous êtes prêts à découvrir ces petits écouteurs qui m'ont convaincu sur certains aspects, mais qui ont du mal à convaincre dans d'autres? Alors on y va. Comme d'habitude, on met dans la description ci-dessous les liens avec les prix et caractéristiques des différents produits qu'on cite dans la vidéo. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promos. Alors profitez-en si vous voulez nous aider. Alors les voilà, les petits CX True Wireless de Sennheiser qui sont séduisants sur plein d'aspects, mais qui malheureusement ont du mal à convaincre, mais on va le découvrir justement pourquoi et on va commencer par le look et le design. Le look et le design, c'est quasi ce qu'ils ont fait le mieux, avec ce côté un petit peu design industriel qui, moi, me séduit plutôt pas mal. Et on les pousse dedans, on les tourne un petit peu, et ils tiennent vraiment bien dans l'oreille. Ils ont pas tendance à tomber. Donc non, ils tiennent bien. Ça, c'est déjà une bonne chose parce que, au final, le fit dans l'oreille, c'est un petit peu ce que vous cherchez si vous voulez faire du sport, par exemple, avec de la musique et que vous voulez pas les perdre en route. Parce que ces petits trucs-là, c'est plutôt facile à perdre et c'est pas quelque chose qu'on a envie de perdre vu le prix des bousins. Et aussi, il y a la petite boîte. La petite boîte qui est plutôt élégante. Elle est assez petite, mais elle a tendance à être plus épaisse que, par exemple, les 1000 XM4 qu'on a pu tester il y a une semaine ou deux. Mais aussi que les AirPods Pro, par exemple, qui ont la meilleure boîte, au final, pour pouvoir la glisser dans la poche. Alors, autre petit argument intéressant, c'est le petit port USB-C, mais on en reparlera dans la batterie et l'autonomie. Alors, on va en venir directement à la pièce de résistance du test, qui est le son. Sennheiser, ils sont des grands professionnels du son. Ils ont des gammes qui vont jusqu'à très cher, de bons écouteurs ouverts, des trucs comme ça, très bien ingénierés et qui justement font partie de ces casques qu'on aime apprécier. Ici, on se demande un petit peu ce qu'ils ont fait parce que j'ai écouté par exemple quelques petites musiques. Les basses, elles ont tendance à trembloter un petit peu et à être désagréables. Les aigus ont tendance à couper le tympan en deux avec un côté métallique, je sais pas comment dire. Un petit peu cet effet de fourchette sur la assiette. Et j'aurais bien aimé pouvoir régler ça dans l'equalizer, mais l'equalizer de Sennheiser est un petit peu bizarre sur le fait qu'il y a que trois bandes. Donc il y a aigu, basse et middle. De base, ils ont quelque chose, un genre de graphisme assez éthéré qui donne l'impression qu'on est en train de modifier des trucs, mais en même temps qu'on modifie un truc, ça fait modifier d'autres trucs, donc ça j'aime pas. Arrêtez. On n'en veut plus. Hein. C'est pas non plus horrible, hein, parce que là je les tiens à des standards très élevés, parce que dedans ils ont mis leur transducteur premium, le True Response qu'on a l'habitude de voir normalement dans des écouteurs beaucoup plus chers de chez Sennheiser, qui est censé pouvoir sortir du son merveilleux. Et malheureusement ici, on se retrouve avec quelque chose... Je crois que c'est mal mixé. En gros, le son est pas agréable et il faut vraiment agir lourdement sur l'equalizer pour pouvoir avoir quelque chose de plus confortable. Parce que un Don't Stop Me Now où il y a des S qui font mal aux oreilles, c'est un peu triste. Et donc après passage par l'equalizer, vous retrouverez un petit peu de ce son, mais c'est pas donné à tout le monde d'aller régler ça, et justement, c'est un petit peu dommage. Donc si jamais vous avez ça et que vous n'arrivez pas à régler quelque chose d'agréable, n'hésitez pas à utiliser votre droit de rétractation, c'est à ça que ça sert, parce que le son, c'est pas non plus la même chose pour tout le monde, donc de l'un à l'autre, ça peut être totalement différent. Moi, j'ai pas trop aimé les réponses, après... Ça, c'est un peu à vous de voir. Si justement vous acceptez des aigus beaucoup plus forts, là, j'étais un petit peu déçu. On va en arriver aux fonctionnalités parce que le son, il faut corriger avec l'equalizer pour vous. Dans les fonctionnalités, il y a l'application qui est plutôt pratique, qui va permettre de pouvoir adapter à votre écoute avec l'equalizer justement. On aurait aimé un equalizer à 11 bandes, ici on a 3 bandes, et même encore si on laisse juste le graphique de base, un truc bizarre où on doit bouger une courbe qui est pas du tout pratique à interpréter et intuitif à comprendre. Donc ça c'est un peu dommage, c'est un point négatif pour moi, et on aurait préféré avoir un meilleur equalizer. Au niveau des codecs, dessus on a du Bluetooth 5.2 qui va permettre de faire passer du USB-C, de l'AAC, de la PTX. Moi, sur l'AAC, j'ai pas eu trop de délai, donc on était sous les 100 millisecondes, donc c'était vraiment agréable à écouter. Je pouvais regarder des vidéos sur YouTube sans que ce soit un problème de délai, etc. Par contre, il n'y a pas de multipoint dessus, donc il n'y en a pas énormément de haut de gamme qui le font vraiment. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait aimé pouvoir avoir quelque chose qui soit compatible avec tous nos devices Bluetooth et devoir
pas forcément déconnecter, reconnecter à chaque fois qu'on a envie de passer d'un à l'autre. Alors aussi, pour les appels, il y a une sorte de transparence logicielle qui permet de pouvoir entendre votre propre voix pour avoir moins cet effet d'isolation et justement un rendu plus naturel lors des appels. Et grâce à ça, ben, vous n'avez pas la fâcheuse habitude de parler 4 tons trop haut quand vous êtes en train de téléphoner parce que vous avez vos écouteurs qui sont dans les oreilles. Sinon, l'application a pas beaucoup de fonctionnalités. Malheureusement, ils ont voulu faire quelque chose de, entre guillemets, user-friendly, mais qui devient juste inutilisable. Alors maintenant, on va passer à la batterie et l'autonomie. Et ben, ces petits trucs-là, ben, ils vont permettre d'utiliser entre 6 et 7 heures. Sennheiser annonçait 9. Nous on est plutôt en dessous de 7, mais ça dépend peut-être du niveau auquel vous l'écoutez. Mais en gros, 7 plus 2 charges dans la boîte. Donc c'est pas mal, c'est déjà supérieur aux AirPods par exemple, mais c'est pas le meilleur de la classe non plus. Donc là où on aurait préféré justement utiliser ce volume de boîte pour pouvoir mettre plus de batterie dedans, on est un petit peu déception. Alors, comme on en parlait au début, il se charge par USB-C et c'est bien. On aimerait voir ça partout. Il faut plus ou moins une heure et quelques chouïa pour pouvoir avoir la charge complète dessus. Donc, c'est-à-dire aux alentours de 20 heures d'écoute. Donc ça, c'est pas mal quand même. En plus, si vous les branchez pendant 15 minutes, vous avez une heure d'écoute. Un petit truc aussi qui va faire que l'autonomie va être ressentie comme étant plus longue, c'est qu'ils ont un système d'extinction automatique. Et ça, c'est pas mal parce que ça va vous permettre de devoir moins penser à « est-ce que j'ai éteint mes écouteurs ?» parce que c'est la chose que vous avez envie de vous soucier dans le monde, le fait d'avoir éteint tous vos devices électroniques. Non, justement, ceux-ci s'éteignent automatiquement s'il n'y a plus de signal pendant un certain temps, et pas forcément juste plus de Bluetooth. Parce que ce que, par exemple, mes Sony, ils ont, c'est tant que le Bluetooth est connecté, il va pas se déconnecter tout seul, même s'il n'y a pas de musique. Ici, s'il n'y a pas de son pendant un petit temps, ils vont se mettre en veille prolongée. Ça, franchement, ça permet de l'utiliser pendant toute une semaine si vous écoutez que quelques heures par jour. Ça, c'est bien. Et on veut ça un peu plus, parce qu'il faut économiser un peu l'énergie. Et donc c'est comme ça qu'on va en arriver à la conclusion et au prix de ces petits écouteurs. Alors on en arrive à cette difficile conclusion avec le prix justement, parce que ces petits trucs-là, ils sont à 125-130 euros selon le coin de l'internet dans lequel vous le trouvez. C'est un petit peu cher, parce que justement, ils sont un peu ruinés par cet equalizer qui est difficile à régler de façon optimale pour pouvoir avoir un son qui est correct et bien plat et sans trop surreprésenter les basses et les aigus. Et justement, on se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises, entre la qualité qu'on sent quelques centimètres sous la surface, mais en même temps, un peu l'économie maximum pour essayer de mettre une grosse marque et en vendre plein, et que c'est un peu dommage. Et justement, quand on veut écouter de la bonne musique de façon agréable, j'aurais plus tendance à recommander les Liberty R2 Pro de Anker, qui eux ont plus à prouver pour l'instant sur le marché, ou les XM4 de Sony qui sont... que Sennheiser qui s'est peut-être reposé sur ses lauriers avec celui-là. Pour moi, ce sera un petit pass, parce que cela... Alors voilà qui termine ce test un peu mitigé malheureusement de ces écouteurs, les CX True Wireless de chez Sennheiser, qui sont pour moi une petite déception quand même. Donc n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires si vous les avez et que vous avez pensé autrement, parce que ça nous intéresse aussi de vous savoir si c'est pas mes oreilles qui sont complètement pétées. Et aussi à vous abonner, à mettre le pouce et à mettre la petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos, parce que ça peut être intéressant pour vous si vous voulez avoir les derniers tests de trucs par mois. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Nicheurs.